Gorge royale. Arrivés à ce point de l'itinéraire, nous nous trouvons dans le tracé de la Real Gorge des Merinas, une route de bétail qui traverse la chaîne de montagnes dans le sens nord-sud, en traversant le port de Marjalisa, où nous nous trouvons, vers le détroit de la Gorge dans le Sur. La fonction de ces routes à bétail était de permettre le transit du bétail transhumant à travers ces terres, avec des repos, des abreuvoirs et des puits le long de la route pour leur usage exclusif. De telles gorges pouvaient mesurer jusqu'à 75 mètres de large, un espace exclusivement réservé au transit, au repos et à l'alimentation de ces troupeaux transhumants. Ils agissaient comme une sorte d'autoroute pour le bétail à laquelle d'autres pistes à bétail plus petites étaient incorporées, cordes jusqu'à 37,5 mètres de large et chemin, jusqu'à 20 mètres. Cette distribution a permis aux agriculteurs de la région d'intégrer leurs troupeaux dans cette voie de communication principale et de se déplacer sur le territoire en évitant d'éventuels dommages et conflits avec les propriétaires des terres agricoles. Malgré le fait que cette route du bétail soit désormais désaffectée, elle conserve tous ses privilèges en vigueur sous la protection de la loi 9/2003 sur les routes du bétail en Castilla, La Mancha.